Remercier de ce que nous avons une possibilité comme avocat militant pour nous dire ça, que nous comprenons sa pensée de situation qui a déroulé au sein des 18 juridictions de la République. Tout d'abord, nous voulons attirer l'attention du grand public sur le simple fait que lorsque une catégorie dans le système décide pour une raison ou pour une autre pour y rentrer en grève, et ça ligue en pile conséquence et ligue de graves conséquences. Pas oublier que nous sortis dans l'année judiciaire 2018-2019 qui était une année qui était chambardée, qui finit mais 10 ans que pas de gros activité qui était faite dans toute juridiction. Nous venons rentrer dans 2019-2020 avec même problème. Dans un premier temps, c'était les greffiers qui ont fait des revendications que nous estimons qui étaient justes et légitimes. Par la suite, nous venons les magistrats assis qui ont même malheureusement t'es décidé d'entrer en grève. Et pour l'instant, la catégorie qui décide d'entrer dans un arrêt de travail jusqu'à présent, selon ça, il dit qu'il faut qu'on grève, c'est les magistrats debout. Les magistrats debout, ils ont entré en grève et le collectif des magistrats debout, ils ont décidé d'entrer en grève dans tout le pays. Et pour yon ka réclamer même et comme on a dit ça, traitement ensemble avec magistrat assis. Maintenant, nous autres comme avocats, qui ça nous pensez de situation ça? Nous pensons que, premièrement, faut nous dire que la situation des magistrats debout, nous reconnaître que son bagage qui méritait repenser par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Parce que, effectivement, bien que la loi sur la fonction publique pas baille au droit à carrière de la fonction publique là, cependant, la loi sur la magistrature là fait de eux des magistrats qui doivent avoir même traitement avec les magistrats assis. Ok, donc pas doué gagner et en sorte de préférence entre les magistrats. Donc il y a pas doué gagner impression que les magistrats assis ont un traitement particulier et que les magistrats debout pour eux-mêmes y ont gagné un traitement qui est prêté à équivoque. Maintenant. Ça nous dit là, nous dit pour nous montrer que nous comprenons la situation et magistrat de bouillon. Mais nous sommes comme avocats militants, nous qui n'ont presque tout tribunal quotidiennement, nous avons avis pas nous comme avocats pour nous bailler. Donc, pendant toute grève, ça a fait là, qu'en est-il de nous qui doit passer par devant un juge naturel pour le juger? Qu'en est-il de monde qui a environ 3, 4, 5 ans qui doit juger soit par devant le tribunal correctionnel ou bien par devant le tribunal criminel qui jusqu'à présent, à cause d'une situation de grève ou d'arrêt de travail, pour qu'on jamais qu'à passer par devant le juge naturel? Nous reconnaissons qu'il y a des juridictions dans le pays qui ont même fait un pile effort pour combattre ce phénomène qu'est la détention préventive prolongée. Il a pris pour exemple la juridiction de Saint-Marc, qui à tout bout de champ réalisé des sièges, soit en matière correctionnelle ou bien en matière criminelle, pour permettre que nous décongestionnions prison Saint-Marc là. Mais est-ce que leur juridiction suit Saint-Marc? Point d'interrogation.
Nous autres, comme avocats au barreau de la Croix des Bouquets, y a une juridiction que nous connaissons plus ou moins bien. N'a dit que pourquoi les bouquets, nous pensons que par que tiens quoi les bouquets yo en partie pour la plupart t'as doué des conscience que yo même en partie yo t'es toujours en grève parce que nous qu'a compté sous douette nous que dernière assise spéciale qui t'es gué quoi les bouquets a li remonté à mars 2019. Donc, dans pile, pas que tu es n'importe quoi des bouquets, qui t'es toujours en grève, soit par leur incompétence, soit par leur mauvaise foi. N'en déplaise à part que tu es, que tout le monde connaît, qui toujours sous lieu de travail, et qui travaille soit dans le parquet, ou bien qui toujours dans le siège. Nous ne parlons pas de la situation pour nous citer, non. Cependant, il y a une enquête de proximité capable de révéler ça à nous autres avocats qui dit là. Il y a le parquetier dans le bouquet qui a expérience dans le système. Non. Cependant, qui a fait un an et demi, deux ans, qui n'a jamais cabaille un réquisitoire. Il y a le parquetier dans le bouquet tout, qui a 6, 7, 8 ans là dans le bouquet. Qui pour que j'en tape un siège pour compte, ça veut dire que compétition questionnable. Dans ce sens, est-ce que moun sa yo pas toujours en grève? Est-ce que pas toujours en grève? Alors que nous avons deux moun qui sont en prison, hein? Soit qui passent déjà devant le juge naturel, qui te gen en suspension d'audience, et ça fait plus que un an qui pour que j'en tape un tribunal parce que tu es. Pour la plupart quoi des bouquets, pas mettez dans une situation pour ces jours même. Est-ce que moun sa yo yo même tout, yo pas de droit à la justice? N'a pas salué travail que l'actuel commissaire en chef quoi des bouquets, Edler Guillaume, que l'a fait dans la juridiction. Hein? N'a pas salué puisque nous, ouais, depuis le arrêt de travail là, les gros substituts qui toujours là avec nos partis, c'est Eddie Davis, n'a pas salué travail moun sa yo, qui reconnaît que parquet a pas à dysfonctionner totalement et qui ont même a fait tout ça dépend de yo pour permettre que parti a été en vie mais et l'autre monde yo cap touché yo et l'autre monde qui en dedans parti quoi des bouquets yo qui pas jamais cap prendre siège pour compte yo et l'autre monde qui en dedans parti quoi des bouquets yo cap kembe dossier nan mé yo qui pas jamais cap réquisitoire ça fait plus que un an et demi deux ans qui ça n'a dit pour bagaille ça yo est-ce qu'il y a un problème de compétences lié et en partie oui. Nous, pour l'instant, pas citer nous, mais nous connaissons clairement le substitut commissaire du gouvernement, du parquet de la Croix des Bouquets, qui, malgré 5, 6, 7 ans dans le système, qui faut que j'en en mesure pour prendre un siège pour continuer, ça veut dire qu'il va représenter le ministère public là. Est-ce que c'est par rapport avec son dossier pour yon, c'est un dieu politique lié? Est-ce que c'est peut-être ça qui fait que n'a pas tout dérive ça en de m'a répondre aux questions ça pour dire que c'est malheureux nomination officier parquet yo généralement toujours politique et nèg yo on est bien que il y a des moun y a nommé dans système là c'est le monde qui pas répondre à sa loi sous maïska.